généralement, l'agression dans la rue, elle se maîtrise pas. Il y a vraiment pas de code. Alors en fait, le Krav Maga n'est pas, à l'essence même, n'est pas une discipline, un art martial. C'est plutôt un concept d'autodéfense, de self-défense. Je fais la différence, il n'y a pas de compétition dans le monde sur le Krav Maga. Certaines fédérations le font, mais l'essence même du Krav Maga, c'est la self-défense, c'est sortir d'une situation de danger, être rapide, pragmatique sur les sorties, que ce soit sur des attaques frappées, sur des... ce qu'on appelle des percussions, aussi bien sur des armes posées, des armes blanches posées, pistolets. Enfin, voilà, on est vraiment sur des bases de dégagement et de sortie. Ce qu'il faut, en tous les cas, c'est se mettre le plus vite possible en sécurité. Alors en fait, je fais le parallèle avec la France ou avec les pays occidentaux. Les arts martiaux traditionnels, ça perd un peu en adhérent parce que les gens, une fois qu'ils ont fait de la compétition, ils veulent passer à quelque chose de beaucoup plus percutant et beaucoup plus réaliste. Le Krav Maga, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est sortir d'une situation de danger, une agression potentielle, et il y a de plus en plus d'agressions dans les sociétés modernes. Alors l'objectif de la discipline, c'est pour ça que on en parlait tout à l'heure, mais c'est ouvert aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Alors on peut parler d'harcèlement sexuel pour les femmes, sortir de situations où il y a un harcèlement sexuel, où il y a une tentative de viol, des choses comme ça. Donc c'est très très axé sur la self-défense. Et je le dis ouvertement, c'est pas pour faire des Rambo, on n'est pas là pour être des surhommes ou des surfemmes. On est là juste pour sortir d'un danger potentiel. Et cette discipline est tout à fait adaptée. En plus, le concept qu'on travaille à Madagascar est un concept très réaliste, où il n'y a pas besoin de travailler les formes de corps, c'est tout à fait tout de suite opérationnel. Il suffit déjà de faire une séance, un stage, et se rendre compte qu'effectivement, il y a des choses qui fonctionnent. Krav Maga, nanomboka tamin'ny taona 80 no tonga teto Madagascar. Tamin'izany fotoana izany izy mbola kelikely satria niezahana nampitaina, izany hoe safidy olona moa mifantoka kokoa izany ny olona nampitaina anazy tamin'ny olona miasa misehatra eo anatin'ny sécurité. Izay moa nietomboanay tamin'ilay izy, izay nietomboana taminazy io hoe ny olona tena mifantoka amin'ilay sécurité, izany hoe mety hoe carte du corps izy a, na agent de sécurité, agent d'intervention na sécurité ireny a, na maramila ireo no tany fetomboan'ny Krav Maga mihitsy nefa zay no destination an'ilay izy. Dia tamina pitotra anazy teto Madagasikara tamin'izany koa dia ireo aloha ny olona mifanakaiky sy mifankazatra taminay nezahana nampitaina anazy. Amin'izao fotoana izao moa izany izay a dia miezaka nivelatra kokoa amin'ny olona rehetrarehetra, na ho amin'ny ankizy, na ho an'ny olon-dehibe a, na ho an'ny vehivavy, na ho an'ny lehilahy. Ny Krav Maga dia disciplina na martial anankiray a niforona tany amin'ny taona 1930 tany, niforon'ny Inga Liechtenstein ilay izy a. Izy io a dia art martial anankiray a, izay fitambarana art martial maromaro ahafahana miatrika situation réelle na ady. Matetika moa dia hitantsika any amin'ny combat de rue izany. Izy io a dia nataony ho an'ny maramila israélianna, na ny hoe force de défense et de sécurité israélianna. Dia nandritra an'izay taona nanomboka tany amin'ny taona 30 mandrapitrika tonga izao fotoana iainantsika izao a, dia mivoatra mivoatra ary niezaka ny fanaraka amin'ny zava-misy ny situation réelle na combat iady any an-dalana izy io amin'izao tsika amin'nyteny izao. Krav Maga dia fitambarana discipline maromaro izy io, izany hoe teknika no nalaina entina miatrika an'ilay situation réelle. Ahitana boxe ao anatin'ilay izy, izany hoe totondry sy daka pied point. Ahitana ihany koa teknika na projection, izany hoe fomba fanjerana olona. Ireo moa nalaina tamin'ny judo sy ny lutte. Dia misy ihany koa ny teknika d'immobilisation nalaina tamin'ny akido sy ny taijutsu. Ny tanjona ao anatin'ny fédération moa dia ny ampafantatra ny Krav Maga ary ampitombo ny olona mianatra sy misehatra ao anatin'ny Krav Maga. Ny Krav Maga tsy inona dia art martial anankiray miaina, izany hoe tsy mitovy amin'ny art martial sasany hoe figé hoe art martial traditionnel ireny, art martial traditionnel izay hoe figé dia teknika tsy miova. Fa ny Krav Maga dia miezaka hatrany a mifanaraka amin'ny toetrandro.
rantoko musicien mahavoafehy ny teknika de combat rehetra zany koa tsy midika hoe tsy maintsy olo efa nanao ary marsho vao afaka manao an'le krav maga tsy zay akory le izy fa tsara kokoa aloha zany moramora kokoa ny olo efa nanana pratika an'ary martial anankiray a mandray sy mahazo an'le krav maga par rapport amin'ny olona mbola tsy nanao mihitsy